Le 5 janvier dernier, dans la ville de Harbin, située dans la province de Heilongjiang au nord-est de la Chine, s'est tenue la 40e édition du Festival international de sculpture sur glace et de neige. L'événement qui marque le début de l'année franco-chinoise du tourisme culturel, les groupes d'artistes talentueux ont présenté à cette occasion leurs œuvres impressionnantes, dont certaines ont été façonnées comme les réels, avec cette bouée d'eau de vie chinoise de Yangtze Dream Blue. L'année 2024 est aussi le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le festival au parc Ice and Snow World cette année offre une plateforme idéale pour célébrer et renforcer les liens artistiques des deux pays. Côté France, une série d'activités seront organisées à Paris dans les jours qui viennent pour rimer avec le thème. On y verra le groupe Yanghe en tant que partenaire important promouvant l'amitié sino-française et les cultures riches et variées de Chine et de France.